une bonne chute pour Steven qui devrait reprendre l'entraînement malgré tout d'ici quelques semaines. Allez, les meilleurs moments, Maxime, de cette première manche avec pour commencer le super départ de Tommy Searle. C'est Tommy Searle qui s'est vraiment bien sorti de la grille. On avait ensuite l'arrivée d'Anthony Boissière en première position. Anthony qui a réussi à tenir quelques tours, leader de la course. Derrière lui, il y avait Tommy Searle et Tyler Attrey très vite. Hein. Tommy Searle a pris le commandement. Derrière, on a vu la bagarre avec Sword, Rollens. Et regardez, Attrey a ensuite doublé Anthony Boissière. Anthony Boissière qui a suivi ensuite le rythme des deux leaders, hein, Tommy Searle et Tyler Attrey. Ouais, il a lâché un petit peu à un certain moment et puis il s'est bien repris sur la fin. Ce qui nous faisait dire qu'en y croyant un peu plus, Anthony aurait pu gagner la manche sans problème. Donc on espère qu'il prendra encore un bon départ et qu'il va être capable de récidiver le même type de performance tout à l'heure. Et la victoire en tout cas de Tommy Searle, le titre de champion du monde pour Tyler Attrey. Restez branchés dans quelques secondes maintenant, le départ de la deuxième manche ici en Italie, en direct sur Motors TV. À tout de suite.